Comment une telle merveille peut-elle être en train de mourir? Un fléau ravage la Terre. Mais là, bienvenue dans Biomutant. Sachez que l'arbre de vie se meurt, que ses jours sont comptés. Sans assistance, il ne survivra pas au changement environnemental ni aux attaques des mange-mondes. Un panneau indicateur. Ça aide ceux qui sont nuls en orientation à se repérer. Voyons voir. Voilà sans doute le mange-monde qui a dévoré la patte du fossile. Vous allez devoir trouver un sacré stratagème pour terrasser cette bête. Au fil du temps, les mange-mondes ont laissé leur marque sur notre monde. Ce n'est pas le premier village qu'ils dévastent, ni le dernier. Là, un survivant. Il est réjouissant de voir qu'au moins une personne en a réchappé. Il a entendu des histoires à propos des mange-mondes et du chaos qu'ils sèment dans les autres enclaves. Mais il ne s'attendait pas à ce que l'un d'entre eux vienne jusqu'ici. Il craint qu'il n'y ait plus grand-chose à sauver si cela continue, et ce, même si l'arbre de vie survit à l'attaque. Il ne sait pas quel lien vous unit à cet endroit, mais quelque chose lui dit que vous êtes toujours fidèle à vous-même. Quoi qu'il en soit, il a besoin d'aide. Il dit que c'est à vos actes qu'on vous jugera, et non sur vos intentions. Il est heureux de voir qu'il y a toujours une étincelle de lumière en vous. Ah ! Une graine de lumière germe en toi !
Qu'est-ce que ça a de si bien, la lumière? Ça fait mal aux yeux. Pas autant que de te regarder, toi. Toujours les attaques personnelles avec toi. Assume que c'est un conflit entre toi et moi. Revoilà le fossile. Il a dû rater quelque chose d'important. Le fossile dit que vous auriez plus de chances contre les mange-mondes avec l'appui d'une tribu. Il y en a deux non loin. La tribu Myriade sera sans doute un bon soutien, car ils suivent un code d'honneur et agissent pour le bien de tous. Qui que vous choisissiez, ce ne sera pas simple, car le conflit...